À chaque fois que j'explique, qu'on me demande ah, c'est quoi une poussée, je fais toujours ce schéma-là, comme en trampoline, qu'on fait comme ça. On a des bas, on a des hauts, et c'est comme ça tout le temps, et il faut apprendre à vivre avec. C'était le moment où il fallait faire les certificats médicaux pour le sport à la rentrée. Du coup, on est allé chez le médecin juste pour faire ça, et elle m'a demandé de fermer les yeux, et là, une fois que j'avais les yeux fermés, bah, je tenais plus debout. Et c'est là que ça a alerté le médecin qui a dit faut aller à l'hôpital parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc je suis restée une semaine à l'hôpital. Les médecins m'ont dit que peut-être que c'était arrivé comme ça, que j'allais plus jamais en avoir, mais que si ça revenait, ça allait être une sclérose en plaques. Et 1 an et demi plus tard, je reviens de l'école et bah, en fait, je voyais plus de mon œil droit. Au bout de deux poussées, le neurologue m'a dit que j'ai une sclérose en plaques. Au fond, je ne comprenais pas, mais en même temps, je comprenais que c'était quelque chose de grave et que. Ça allait me bouleverser ma vie, quoi. Dans mon quotidien, je vis une vie normale. Je vais à l'université, je fais du sport, je vais voir mes copains-copines de temps en temps. Mais après, avec la sclérose en plaques, il y a une grosse fatigue chronique qui est là. Par exemple, le matin, quand je me lève, ça va très bien. Et à midi, j'ai l'impression qu'il est déjà 23 h, que j'ai déjà fait ma journée, j'ai une deuxième journée à faire. Je vis un peu au jour le jour. J'ai pas de projet pour l'avenir ou j'ai des projets, il n'y a pas de problème, mais je sais très bien que, par exemple, demain matin, c'est possible que je ne sente plus mes jambes et que je ne sache plus marcher. Mais après, il faut aussi savoir qu'il y a des solutions qui existent pour améliorer les symptômes et pour que ça aille mieux après. Et plutôt que se dire oh là là, mais si un jour je suis en fauteuil roulant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est fichu, tout ça. C'est mieux de se dire qu'il y a des solutions pour rebondir et pour que ça aille mieux et que continuer à vivre normalement. Je parle beaucoup de la maladie, je fais des interventions dans des classes, tout ça. Je veux que tout le monde connaisse ce qu'est la sclérose en plaques. Du coup, je suis très engagée au sein de la Fondation ARCEP et tout particulièrement au sein du défi voile solidaire en peloton, qui ont un Ocean 50 aux couleurs de la Fondation ARCEP, qui fait des courses en mer comme la Route du Rhum ou la Transat Jacques Vabre, pour mettre en avant les couleurs de la Fondation ARCEP et du coup la sclérose en plaques. Quand on dit sclérose en plaques au grand public, ils disent oui, mais moi je connais une personne qui est en fauteuil roulant. Vraiment, je voudrais que cette image-là, elle s'en aille. Souvent, on me demande ah, mais mon enfant vient d'avoir la sclérose en plaques, j'ai peur qu'elle puisse plus marcher, qu'est-ce que je peux faire, tout ça. La première chose que je dis, c'est regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air d'être en fauteuil roulant? J'ai la sclérose en plaques depuis que j'ai 9 ans et ça va très bien. Mon corps, je sais pas pourquoi, j'ai les. Il est affaibli parce qu'il est malade, forcément. Mais pour autant, je ne suis jamais malade et du coup, je ne me sens pas plus faible. Au contraire, je me dis, mon corps, il est vraiment trop bien. Il est super fort, alors que ce n'est pas le cas. En fait, c'est comme si on était une équipe. Il faut savoir à la fois se dire, bon, allez, il faut se bouger un peu, mais aussi, quand vraiment je dépasse les limites, savoir aussi s'écouter et savoir s'opposer.